une histoire qu'elle laisse de côté. Dans une interview accordée à Closer, dans son numéro actuellement en kiosque, Patrick Mahé-Gillelotte, auteur du livre Ni vieux ni diable, qui sortira le 4 octobre prochain aux éditions Robert Laffont, explique que Laetitia Hallyday a décidé d'aller de l'avant concernant la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Opposée aux enfants aînés du chanteur, la mère de Jade et Joy a encore un long combat à livrer et devra faire face une nouvelle fois à la justice le 30 novembre prochain lors d'une audience au tribunal de grande instance de Nanterre. Mais en attendant, Laetitia Hallyday semble avoir d'autres priorités comme le rapporte Patrick Mahé-Gillelotte. Elle ne parle pas du tout de l'affaire de l'héritage, assurent les deux auteurs. La seule chose qu'elle veut, si est promouvoir ce disque, qui est l'album testament de Johnny, ajoute-t-il. En effet, la veuve du rocker a décidé au mois d'octobre de se livrer corps et âme à la promotion de l'album posthume de son époux. L'occasion aussi de revenir en France pour la première fois depuis l'hommage national rendu à Johnny Hallyday en l'église de la Madeleine en décembre dernier. Un séjour en France de quelques semaines, puisque Laetitia Hallyday a prévu de ne rester que du 5 au 23 octobre, comme vous le révélait Closer il y a quelques jours. Et l'épouse de Johnny Hallyday a déjà élaboré un programme très chargé pour assurer au mieux la promotion de Mon Pays, Si y est-il amour, qui sortira le 19 octobre prochain. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag.